Bonjour à tous. Donc ce, pour ce nouveau webinaire euh, intitulé l'examen national volontaire pour les qualités des genres et, et des droits des femmes. Donc euh, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons des euh, orateurs et oratrices qui ont participé au processus et donc euh, nous avons des membres de la, à la fois des Nations Unies et de la société civile. Donc nous allons aller en détail, mais avant ce, cela, vous voyez donc euh, ici vous êtes dans un espace sûr. Euh, merci euh, de prendre soin euh, des différentes euh, identités qui se trouvent ici dans notre espace. Vous pouvez en cas de doute, n'hésitez pas à me contacter moi-même ou Shainaz. Euh, et nous euh, prendrons les choses euh, à partir de là. De plus, nous vous demandons de vous présenter dans la boîte de dialogue, dans la boîte de chat. N'hésitez pas à poser des questions et euh, des, dans la boîte de questions-réponses, nous vous demandons également de d'utiliser la question. Euh, qu Il y aura également une, une séance de questions-réponses hein, à la fin de cette séance. Je vais maintenant euh, passer euh, à la parole à Valentina. Valentina est présidente de euh, Gender Central en euh, Moldavie. Elle est également euh, partie euh, prenante dans le WMG Coopération Europe et de l'Asie centrale. Chère Valentina, c'est vous qui avez la parole maintenant. Bonjour, Maitri, merci également à Chénaz et bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis de voir beaucoup de féministes autour de nous et c'est véritablement un plaisir de les avoir avec nous. Donc, le Grand Groupe des Femmes est un collectif féministe mondial créé lors de du euh, sommet de euh, Rio de Janeiro au Brésil en 1990, et donc avec un participa une participation officielle au processus des Nations Unies sur le développement durable. Le grand groupe des femmes a la responsabilité de faciliter la participation active le partage d'informations et la contribution des organisations de la société civile féministe et de la défense des droits des femmes à l'espace politique offert par les Nations unies. Le WMG est indépendant, est ouvert à toutes les organisations euh, qui sont intéressées et qui, euh, dans la question et qui œuvrent à la promotion d'un développement durable fondé sur les droits humains en mettant l'accent sur le droit euh, des femmes et l'autonomisation des femmes et ég également l'égalité des genres. Alors que nous sommes à mi-parcours dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, la réalisation de ces objectifs est encore plus éloignée qu'auparavant. Et nous sommes ici dans le numéro 4. Nous avons établi que nous devrions euh, passer euh, à des. Euh, des méthodes plus rapides et également avoir un sud plus fort dans, en fonction de nos contextes respectifs. Nous euh, voudrions euh, que... Nous voudrions en fait que les choses avancent et que la CEPAP estime que la région ne pourra les atteindre qu'en euh, 2065 ces objectifs. Mais il nous faut donc des, me des mesures et un véritable changement. Et il est également urgent euh, de euh, par rapport au, au grand au groupe des femmes et ses membres. Il est important puisque il y a à chaque, chaque année il y a ce forum politique de haut niveau et récemment dans certains des euh, forums régionaux de développement durable en tant qu'outil principal de suivi d'examen pour la réalisation de euh, l'agenda 2030 et euh, le FPHN, donc le Forum politique de haut niveau de 2024, va porter sur le renforcement de l'agenda 2030 et l'éradication de la pauvreté dans des périodes de crise multiples et la mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes. Et 44 États membres présenteront leur VNR l'année prochaine. Aujourd'hui, nous entendrons deux témoignages de deux militantes euh, du euh, wMG du Sud global euh, dont les pays ont présenté leurs examens nationaux volontaires respectifs euh, en 2023 nous parlerons nous entendrons également parler des préparatifs euh, népalais menés par nos membres euh, du comité beyond Beijing pour la VNR du Népal en 2024 l'année prochaine nous entendrons également la méthode que le mécanisme de coordination des grands groupe et des autres parties prenantes suivra pour les euh, 2024. Il y aura énormément de webinaires à suivre et nous terminerons euh, le débat par des, des informations provenant de l'unité de Saudien euh, intergouvernementale du d'AES et donc nous entendrons plus d'informations sur la préparation euh, pour les VNR de 2023 qui euh, se dérouleront au niveau de, euh, des Nations Unies. J'aimerais maintenant donner la parole à notre première intervenante et euh, par, euh, à savoir Emily Anise du Mouvement des droits euh, du euh, femmes de Fidji et donc savoir comment dans vos pays respectifs. Et voyons également les observations, les meilleures pratiques que vous pouvez partager avec nous. Et comme je le disais, j'aimerais maintenant appeler mes collègues et les participants à contribuer de manière à avoir une, un, un débat, une discussion plus efficiente, plus efficace aujourd'hui. Euh, J'aimerais donc euh, inviter notre première oratrice, ma sœur Emilie Anis du mouvement des droits des femmes pour Fidji. Emilie, vous avez la parole. Merci Valentina, merci pour cette présentation. Peut-être euh, demanderai-je maintenant à, à Shannaz ou à Maitri de partager ma présentation. Oui, on s'en occupe. Merci. Alors, je serai brève. Je suis Émilie euh, à lycée. Je suis chef de file pour le euh, programme de leadership. Je parlerai davantage de l'organisation et euh, peut-être que vous aurez, vous aurez des, euh, certains apprentissages, peut-être également euh, certaines des meilleures pratiques dont pa Valentina a parlé un peu plus tôt. Merci de passer à la diapositive suivante. Alors, voici simplement le, les grandes lignes, euh, le sommaire euh, de ce qui se passe euh, à l'heure actuelle pour Fiji. Alors… Je parlerai de l'organisation euh, que je représente, euh, le mouvement euh, fidjien pour les droits des femmes, également euh, l'architecture des ODD au sein de Fidji. C'est un euh, tout petit pays et comment nous mobilisons les revendications féministes et l'expérience que nous avons pu tirer du euh, FPHN de 2023. Merci. Diapo suivante. Merci. Alors, si vous vous demandez où elle se trouve Fidji, nous sommes dans l'océan Pacifique. Et si vous vous demandez où est l'océan Pacifique, voici ici une carte avec l'océan Pacifique. J'espère que vous le savez cette fois l'océan Pacifique avec les différents pays insulaires et et c'est donc le, sur euh, cet océan que nous nous trouvons. Diapo suivante, merci. Donc euh, notre mouvement des droits des femmes euh, de Fidji euh, s'est développé euh, à, euh, avec, euh, avec nos partenaires. Euh, notre création s'est effectuée en, de, en 1986. Hein. Nous sommes une organisation féministe, euh, féministe de Fidji. Et donc, nous, sommes, euh, nous faisons euh, partie euh, du grand groupe des femmes. Alors, voici ce que nous faisons en, 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 en grand, dans nos grandes lignes. Donc, nous luttons contre la discrimination contre, euh, pour les, contre les femmes. Euh, nous, faisons, nous avons une approche euh, des droits humains. Nous nous, nous intéressons euh, à des problématiques euh, à tous les niveaux. Et nous avons un programme de euh, leadership pour les jeunes femmes également. L'accès à la justice. Nous faisons du tra des travaux de recherche. Et euh, nous. Euh, euh, menons également des activités de plaidoyer euh, politique. Alors, nous opérons euh, sous la, sur la démocratisation. Ici, vous avez la responsabilité au niveau des droits humains. Nous, et tout Dans le cadre euh, du grand groupe de femmes, nous participons à. à Auparavant, nous avons également participé euh, au niveau des, euh, de l'émission de rapport. Et dans cette présentation, je parlerai davantage comment nous mobilisons les, euh, les euh, VNR. Merci de passer à la diapo suivante. Alors, ici, nous travaillons, nous faisons donc du travail de, euh, de, de plaidoyer, comme je le disais. Nous cherchons, nous visons également à, à éradiquer euh, toutes les euh, formes de euh, discrimination contre les femmes et les filles. Nous avons également des partenariats clés avec euh, de euh, nos sœurs euh, de euh, l'océan Pacifique et également des euh, partenariats au niveau mondial. Diapo suivante, merci. Nous avons également une approche euh, intergénérationnelle. Nous travaillons avec les filles, les jeunes femmes, les femmes plus euh, mûres également, puisque. Nous savons que tout au long euh, de, de la vie d'une femme, il, pour, il peut y avoir différentes optiques et c'est euh, véritablement une approche euh, multidimensionnelle. Et ce que nous faisons également, c'est de promouvoir euh, le leadership auprès des femmes et des euh, euh, jeunes filles. Bien sûr, nous visons à renforcer euh, notre organisation. Et donc, euh, c'est ce que nous faisons avec notamment, à travers notamment euh, de la levée de fonds. Merci de passer à la diapo suivante. En fait... Euh nos, nos, euh, nos euh, VNR. Alors, Fiji, nous sommes un petit pays, comme je l'ai dit. La première fois que nous, ayons, nous avons émis un rapport, c'était en 2019. Hein. À l'époque, il y avait une, une architecture de la société civile, des organisations de la société civile qui étaient intégrées avec, à travers euh, un groupe de euh, travail menant à l'examen volontaire. Donc, il y avait euh, ce sont euh, des groupes au niveau national, à savoir euh, groupes de femmes, euh, groupes euh, donc de, euh, par rapport à la confession également. On peut voir ici cette photo de 2019. Et donc, nous travaillons également à l'égalité. Alors, euh, à l'époque. Lorsque nous avions cette architecture de, euh, des OSC, nous n'avions pas vraiment la possibilité à l'époque d'engager euh, une conversation avec les, les autorités. Et maintenant, dans le cadre euh, de, du grand groupe des euh, femmes, nous avons un espace qui nous permet d'avoir nos activités de rapport et... Et ce, avant de pouvoir passer euh, au niveau international. Diapo suivante, merci. Alors, ici, c'est notre premier rapport en 2019. En 2023, nous avons pu être inclus. Mais Fidji, pour du contexte, euh, euh, avait le même gouvernement pour à peu près 16 ans. En, donc, nous avons eu une nouvelle équipe euh, ministérielle qui nous a permis d'engager de, davantage de euh, conversations. Donc en... Donc, nous sommes là en 2023 avec notre deuxième rapport, avec un mécanisme euh, qui nous permettait d'avoir un impact direct par rapport euh, au rapport. Alors, euh, les conclusions euh, étaient positives depuis 2019, ce qui nous a permis d'avancer dans ce processus et dans ce cadre. Nous avons vu également que l'architecture des euh, OSC euh, euh, s'était euh, effondrée, celle qui avait été en place en 2019. Donc, euh, euh, il fallait donc avoir une dimension plus féministe, mobiliser, mobiliser au niveau national, local. Nous nous sommes intéressés à des partenaires. Les partenaires de 2019 disaient que euh, les organisations de la société civile n'étaient pas euh, forcément leur priorité. Donc, euh, si vous voulez, vous pouvez euh, rajouter euh, vos commentaires. Et donc, il y a cette responsabilité, rédition de compte euh, euh, du gouvernement. Nous avons rédigé nos priorités, mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que... Cet engagement auprès euh, du gouvernement et le mécanisme d'OSC, les, les OSC euh, locales ne savaient pas, ne savaient pas vraiment comment les choses fonctionnaient, comment les choses étaient monitorées au niveau local. Euh, il y avait également ce manque de connexion entre la manière dont euh, le euh, gouvernement contrôlait, monitorait nos euh, activités. Merci de passer à la diapositive suivante. Ici, donc, nous sommes au euh, FPN euh, euh, 2023. Nous avons rédigé euh, nos, une déclaration. Nous avons également voulu réunir, euh, nous réunir avec euh, le groupe, euh, le grand groupe des femmes. Nous avons un nouveau gouvernement et qui était, qui euh, validait toutefois. Nous nous sommes intéressés aux données qui étaient euh, présentes et nous, nous avons demandé à notre gouvernement de euh, s'intéresser à nos résultats et et nous avons demandé au gouvernement d'améliorer l'accès euh, aux besoins euh, primaires. Alors, euh, de, nous avions donc un, une enquête menée en 2021 qui euh, explicitait euh, que euh, l'accès le, à l'eau était problématique dans notre pays, donc, Et, donc nous avons insisté pour qu'il y ait une résolution de ce problème, pour que les femmes et les filles puissent euh, avoir accès à l'eau et à un assainissement euh, de base, et puisque c'est également une question importante en matière de santé. Nous avons également demandé à notre gouvernement de euh, réaliser des progrès au niveau des indicateurs, une actualisation de nos de nos indicateurs, nos nos instruments de mesure et de plus, nous voyons toutefois encore euh, un manque de lien de, de dans la manière dont nos euh, notre gouvernement euh, gère euh, les bases de données. Et merci de euh, si vous pouvez s'il vous plaît conclure. Merci de passer à la diapo suivante. Donc euh, alors, je serai brève. Donc, ce qui a bien fonctionné, donc c'est euh, la relation gouvernementale entre nous et le gouvernement. Également notre mise en lien avec les organes, euh, l'organe euh, gouvernemental euh, appelé secrétariat du forum des îles pacifiques. Nous avons pu également euh, débuter des débats avec les euh, pays euh, insulaires du Pacifique. Diapo suivante. Merci si sí. Alors que faire euh, dorénavant, à partir d'ici Il faut faire donc un suivi avec l'État par rapport euh, à nos questions, puisque nous n'avons pas encore eu de réponse par rapport à cela. Ensuite, euh, il nous faut euh, rester en contact avec les euh, organismes gouvernementaux et et raviver également euh, le groupe de travail euh, des femmes locales pour euh, les euh, VNR. Merci infiniment euh, Emily, pour des informations très euh, très puissantes, très intéressantes et importantes pour euh, nos euh, participantes. Maintenant, j'aimerais appeler Andrea Rousseau qui vient de Roumanie, elle est directrice exécutive de Centrul Filia et elle va euh, présenter euh, son euh, ce rapport au niveau de différentes sessions. Merci Merci, euh, cher, euh, Andrea, de nous faire part de votre expérience. Vous avez la parole. Merci infiniment, Valit Valentina, et merci infiniment pour euh, m'avoir invitée. Donc, je vais essayer d'être aussi, aussi brève que possible. Alors, euh, un peu de contexte. Comme Valentina l'a dit, je viens de Roumanie, euh, d'Europe de l'Est. Euh, nous avons la Bodavie, la Bulgarie, l'Ukraine et la Serbie pour euh, voisins. Je représente euh, le euh, Filia euh, Central, qui est l'une des plus grandes organisations non gouvernementales féministes. Euh, nous avons plus de 25 ans, c'était assez euh, âgé pour une très jeune démocratie de 24 ans. En fait, c'est un contexte de base. Donc, j'aimerais répondre rapidement aux questions qui euh, m'ont été posées euh, antérieurement. Donc par rapport à, à l'architecture de, des ODD et de, euh, des OCS, et son, euh, le fait à savoir si c'était inclusif, alors elle ne l'était pas du tout. Et ce, même si le mouvement féministe est assez important en Roumanie, avec, mais très, très actif, nous n'avons pas été participer au processus euh, pour euh, les, les processus d'examen euh, volontaire que la Roumanie euh, a en, engagé. Nous n'avons pas pu être invités euh, régulièrement pour évaluer et pour parler euh, des ODD et même pas au niveau même pas au niveau du de l'égalité euh, des gens ou des droits des femmes et et par rapport à notre expérience, je dois dire que nous avons été invités par les, le grand groupe des femmes, mais avant cela, nous avions des... Euh des échanges avec les officiels des Nations Unies, plus que nous n'en avons eu au niveau de nos autorités locales. Au niveau euh, de, des ODD, c'est le département, le ministère de l'Environnement euh, de Roumanie qui euh, s'intéresse à la mise en place de, euh, des ODD. Mais en général, la manière dont ils consultent la société civile se fait à travers vers des organismes de la société euh, civile qui sont plus en dirais confortables pour le gouvernement à savoir euh, au niveau des euh, politiques il y a souvent des membres du gouvernement qui sont impliqués dans ces organisations de la société civile. Donc pour nous c'est une expérience nouvelle, c'était la première fois que je suis allée ou j'allais à New York pour les Nations Unies et c'était je dirais Épuisant et compliqué d'un côté, mais d'un autre. C'était terriblement enrichissant. J'ai eu beaucoup de différentes expériences et j'ai euh, acquis énormément d'informations que j'utilise encore dans nos travaux euh, aujourd'hui. Et avant cela, nous avons euh, soumis euh, la, une, une, une déclaration des, émanant des euh, OSC en essayant d'en inclure le plus possible en lien aux euh, droits euh, humains. Donc cette euh, déclaration a été, en, a été soumise et également nous avons souligné le besoin d'inclusion de la communauté euh, LGBTQ, euh, en Roumanie, et nous avons également des opinions qui sont réunies. Euh, les Demande, euh, l'idée était vraiment d'ouvrir le débat avec euh, euh, les OSC en général, mais nous avons également demandé l'introduction de, des discriminations de genre, parce que nous n'avons pas ce genre, qui, cette discrimination spécifique incluse euh, dans les textes roumains et c'est vraiment euh, quelque chose dans lequel travaille euh, euh, œuvre, central filial l'accès, euh, notamment à l'avortement la, euh, la, à, à la demande et également d'un avortement qui soit gratuit et également euh, la euh, violence de genre également, euh, la budgétisation pour euh, les euh, survivantes de violences faites aux femmes. De plus, et très important également, un thème important était, a été la collecte de données. Et donc, je l'ai vu dans la présentation précédente. Et euh, malheureusement, les autorités roumaines ne collectent pas des données euh, qui ne soient pas agrégées en matière de genre hein, en fonction des abus et des violences sexuelles et autres documents. Très important pour nous. Et donc, en ce qui concerne. Le VNR, nous y sommes allés, nous avons suivi l'évolution du processus. Une fois de plus, je viens d'un pays où les organisations de la société civile ne participent pas euh, beaucoup, euh, n'ont pas du tout participé à la rédaction du VNR avec les autorités du pays. Nous avons eu l'impression qu'ils étaient très surpris de me voir là-bas. C'était une première. Il était évident qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir quelqu'un de la société civile, outre les délégations qu'ils avaient choisi de compter parmi eux. Donc, ça les a un peu choqués que je participe, même si je leur avais écrit en amont, avant d'aller à New York. J'avais écrit au Département du développement durable, à l'ambassade de Roumanie auprès des Nations Unies. Ils étaient tous ouverts à l'idée de me rencontrer. Bien évidemment, la délégation de euh, l'organisation euh, de des femmes était également là pour moi, pour me recevoir. Ils étaient plutôt curieux de savoir comment j'étais parvenue jusque-là-bas, quelle avait été la situation. Et les autorités roumaines, comme dans beaucoup d'autres pays, sont en quelque sorte... Soucieux d'avoir une bonne image auprès des autres pays. Et donc, ils étaient ouverts à l'idée d'en entendre davantage et apprendre les meilleures pratiques et donner une bonne image d'eux-mêmes à l'heure de présenter ce VNR. J'ai donc tenu une euh, réunion de plaidoyer avec, euh, qui s'est plutôt bien passée. Ensuite, avec le forum politique de haut niveau, j'ai participé avec la Roumanie, j'ai écrit de nombreux emails aux différents responsables du département du développement durable. Malheureusement, nos efforts ne sont pas toujours très efficaces. On a des difficultés pour collaborer. Nous sommes toujours en contact. Cependant, nous avions déjà écrit avant ce forum de haut niveau, le HLPF. Mais malheureusement, pour ce qui est des, des examens nationaux volontaires, eh bien, il semblerait que les ODD soient passés sous la trappe pour les, les deux prochaines années et ils y travailleront davantage au cours des prochaines années, donc après ces deux années qui nous attendent. Cela étant dit, je suis beaucoup plus à l'aise avec les différents instruments onusiens. Je me sers beaucoup de ces ODD, des cibles, de la stratégie de la Roumanie en matière de développement durable. Cela euh, nous sert beaucoup dans nos travaux de plaidoyer sur le plan national. Cela nous aide à faire pression pour apporter des modifications aux différents systèmes. Nous avons des rendez-vous avec les différentes ambassades en Roumanie, avec les différents. Euh décideurs politiques. Je parle toujours de ces objectifs de développement durable des Nations Unies, mais je leur rappelle également ce que eux ont dit qu'ils feraient en tant que représentants de la Roumanie, ce qui m'aide à faire euh, pression pour euh, modifier les, les, les lois en matière de droits euh, et égalité entre les sexes en Roumanie. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. C'est très euh, intéressant, c'est très impressionnant. Vous avez une expérience euh, déjà. Euh, très ample en la matière. Il est très important, comme vous l'avez dit, hein, de présenter tous ces efforts à nos collègues afin que chacun puisse avoir davantage d'informations et, et sache comment ces différents processus se déroulent. Sur ce, je vais donner la parole à Kalpana Rai, qui, est, euh, qui se charge du plaidoyer avec Beyond Beijing Committee au Népal. Et donc, vous nous raconterez, s'il vous plaît, comment votre organisation se prépare aux différents processus d'examen nationaux volontaires pour l'année prochaine, les VNR. Il y a une plateforme très solide pour les ODD au Népal. Donc, pourriez-vous partager votre expérience à la matière, en la matière et comment vous euh, vous engagez auprès de cette plateforme Et d'autre part, quels sont vos projets d'ici le Forum politique de haut niveau de l'année prochaine et au-delà, dans le cadre de ce cycle VNR qui pourrait être utile à notre auditeur. Merci beaucoup. Dikalpana, permettez-moi de, de partager ma présentation avec vous. Très bien, j'espère que vous voyez tous mon écran avec la présentation. Qui semble fonctionner et j'espère qu'on m'entend bien. Bonjour à toutes et à tous, merci de me donner la parole. Je suis très heureuse de participer à cet événement. Pour répondre à votre question, permettez-moi de partager un peu mon expérience avec vous par le biais de cette présentation. Tout d'abord, je vais vous parler de ce comité Beyond Beijing au Népal, BBJ. Il s'agit euh, d'une organisation euh, féministe qui a été établie après euh, la Convention euh, nationale. Euh, cela a été mis en œuvre il n'y a pas longtemps. Nous avons plus de 230 euh, organisations menées par des femmes, donc des organisations de base en tant que membres, et nous travaillons sur le plan local, national, en matière d'égalité de genre, ODD, droits humains des femmes. Nous plaidons pour euh, la généralisation des questions de genre et de tous les autres tous les objectifs des ODD, nous travaillons en étroite collaboration avec les OSC, les alliés, les gouvernements, tels que les commissions nationales de femmes et autres. BBC Népal est activement engagé dans les différents processus d'ODD depuis leur création. Et pour ce qui est des VNR, le Népal a jusque-là participé à deux VNR en 2017 et en 2020. Et nous participerons également à ce troisième euh, examen national volontaire qui aura lieu l'année prochaine. Nous euh, sommes euh, les principaux responsables du groupe euh, mondial des femmes pour le développement durable au Népal, WMGSDN, et pour euh, la circonscription femmes et filles pour la justice euh, de genre. Euh, par conséquent, nous avons beaucoup travaillé avec euh, les. Aux... Au sein du dernier VNR et du Forum de haut niveau. Et nous avons participé à la publication du rapport des OSC sur les femmes en 2007 et 2020. En 2024, nous prévoyons également de partager ces examens et nous nous participerons aux différents examens régionaux en tant qu'entité jeune et, euh, et dans les différents forums d'OSC. Et donc nous participerons aux forums mondiaux également comme le HLPF, le forum, le forum de haut niveau. Voilà quelques exemples des travaux que nous avons réalisés au cours des derniers examens euh, nationaux, dernier VNR. Nous avons travaillé sur le plan des provinces locales, sur le plan national également. Nous avons publié un rapport national depuis la perspective des femmes pour l'ODD 5 sur l'égalité de genre. Nous avons également participé à, aux deux euh, HLPE de 2017 et de 2020. Et pour revenir à cette plateforme des ODD au Népal, nous avons une commission nationale de planification. C'est l'organe suprême de planification et de mise en œuvre des ODD dans le pays. La Commission nationale de planification a organisé une consultation des OSC en 2020 pour la VNR et la BBC a contribué à la consultation sur l'objectif 5, donc égalité des genres. En ce qui concerne les OSC, nous avons le Nepal SDG Forum, le NSDGF, c'est un réseau d'OSC structuré qui vise à mettre en œuvre, surveiller et examiner ces 17 objectifs ainsi que le processus des ODD. Euh, nous nous engageons fortement dans les différents processus de VNR également en collaboration avec le gouvernement. Et donc euh, nous avons une révision, une surveillance sur le plan national de la mise en œuvre de ces objectifs. Le forum comprend différents réseaux qui dirigent cet examen à la mise en œuvre des objectifs au niveau national. La BBC dirige l'objectif 5 et contribue au rapport des ESC qui sont produits chaque année sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc nous avons publié un rapport euh, cette année, nous avons contribué au, à la publication de ce rapport des OSC donc des sociétés de la société civile du Népal sur les ODD de 2023. Pour ce faire, nous avons collaboré avec le forum des ODD du Népal et le secrétariat et dans ce cadre, nous avons beaucoup euh, nous avons représenté l'équipe éga égalité entre les sexes dans ce rapport nous avons soumis ce rapport en septembre auprès des autorités né népalaises il semblerait que nous ayons perdu l'intervenante malheureusement qui a eu un petit souci technique ou de connexion quelqu'un pourrait est-ce que quelqu'un pourrait lui venir en aide Bon, peut-être que nous devrions la désépingler. Kalpana, est-ce que vous nous entendez? Alors, je pense qu'il y a eu des euh, soucis euh, techniques euh, chez Kalpana, malheureusement. Nous allons passer à euh, l'intervenante suivante. Et lorsque. Kalpana reviendra, nous écouterons la fin de la présentation. Et je suis navrée de vous annoncer également que Valentina, notre modératrice, a dû nous quitter en raison d'une urgence. Donc je ferai de mon mieux pour euh, poursuivre la modération de cet événement. Alors, pourriez-vous... S'il vous plaît, partagez notre PowerPoint. Merci. Et lorsque Kalpana reviendra, euh, nous reprendrons. Nous allons maintenant vous présenter la liste des pays qui ont fait part de leur intérêt. Il y a euh, ces pays que vous voyez à l'écran qui donc, euh, participeront à ces examens volontaires nationaux. Si je ne m'abuse... Corrigez-moi si je me trompe, cette liste est fermée pour 2024. Cependant, si votre pays fait partie des États membres, vous pouvez plaider sur le plan national afin de faire en sorte que votre pays participe à ces examens nationaux volontaires pour 2025 et après. Nous partagerons cette présentation avec vous suite à la réunion d'aujourd'hui afin que vous puissiez la lire plus tranquillement, afin que vous puissiez voir quels sont les pays. Vous pouvez cliquer sur chaque pays et accéder à davantage d'informations les concernant. Nous allons également nous charger des différentes interventions des OSC pendant cet examen. Merci beaucoup d'avoir euh, précisé et confirmé, Diop, que pour 2024, la liste est close. Kalpana est revenue, donc peut-être qu'elle pourrait terminer sa présentation. Oui, bonjour, mes excuses, j'ai perdu, euh, j'ai eu un souci de connexion. Où en étais-je Nous allons remettre la diapositive. Je crois qu'il ne restait plus qu'une diapositive à faire. Je vais partager cette dernière diapositive avec vous. Merci. Donc, comme je le disais, nous avons mené différentes organisations nationales avec les OSC et avec euh, la commission du euh, panel national. Je vais partager avec vous nos projets pour euh, euh, le cycle HLPF 2024 et VNR. BBC Népal prévoit d'organiser des consultations locales et provinciales, ainsi que sur le plan national avec des OSC de femmes, y compris les femmes dans toute leur diversité. Et nous prévoyons de recueillir des informations et des recommandations afin de plaider auprès des organes gouvernementaux afin que l'égalité entre les genres et les femmes dans toute leur diversité soit une priorité dans la planification, la mise en œuvre, l'examen et le suivi des objectifs du millénaire pour le développement et des objectifs de développement durable. Et de même, nous continuerons à engager et amplifier les voix des OSC féminines de base dans les espaces régionaux et mondiaux des ODD en 2024 et au-delà. Et, et un gentil rappel à Kalpana qu'il y a l'interprétation et que euh, le débit de parole était très euh, rapide. Bon, tout cela a déjà été partagé. J'arrive à la fin de euh, ma présentation, mais donc, je disais que euh, nous prévoyons d'organiser des consultations locales, provinciales, nationales avec des OSC de femmes. Et nous nous engageons à amplifier les voix des, des organisations féminines de base dans les différents espaces régionaux et mondiaux des objectifs de développement durable en 2024 et en delà, en mettant l'accent sur les besoins des femmes et des filles dans toute leur diversité. Donc voilà pour ce qui est du Forum de haut niveau de 2024 et du cycle VNR, donc des examens, de, euh, des examens nationaux volontaires. Merci de votre attention. Merci, Kalpana. C'était très intéressant d'entendre tous ces travaux qui sont en cours depuis des années et de voir tout ce que vous faites pour appuyer ce processus de VNR 2024. Donc merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Je vais donc demander à ce que l'on passe à nouveau. Aux autres diapositives, nous souhaitons mettre en lumière l'un des paragraphes dans le document sortant du sommet sur les ODD qui s'est tenu récemment. Peut-être que d'autres seront d'accord, certaines informations pourraient être intéressantes et utiles pour les VNR. Diapositive suivante s'il vous plaît. Donc vous le verrez dans la déclaration politique de 2023. Donc, ce qui a émané du sommet sur les ODD de cette année, cette déclaration a été adoptée euh, cette année par l'Assemblée générale. Il y a un paragraphe qui mentionne tout particulièrement les, euh, ce point-là. Nous, les États membres, poursuivrons nos efforts pour intégrer les ODD à nos cadres nationaux politiques et à développer des plans de développement nationaux. Pour une action transformatrice et d'accélérer, nous euh, mettrons en œuvre le programme à l'horizon 2030 pour parvenir aux ODD en mettant l'accent sur la planification nationale et les différents mécanismes de suivi. Nous localiserons davantage encore les ODD et ferons avancer la planification intégrée et la mise en œuvre sur le plan local. Nous encourageons tous les, tous les acteurs pertinents à travailler au mieux aux différents liens, aux synergies entre les différents objectifs de développement durable en mettant en lumière la cohérence politique pour un développement durable. Qu'est-ce qu -ce que cela veut dire La plupart des pays ont déjà des plans d'action nationaux sur les ODD. Cependant, certains les développent encore, les développent de leur côté, tandis que d'autres euh, euh, se sont concrètement engagés à créer des liens entre le programme à l'horizon 2030 et les différents travaux sur le plan national qu'il mène. Donc, n'hésitez pas à aller sur les différents sites des ministères de vos pays respectifs pour voir qu'en est-il des différents plans d'action nationaux qui, concernant la mise en œuvre des ODD. Vous aurez certainement une bonne idée de ce qui se passe en ce moment, de ce qui est. De, en cours, de ce qui existe, de ce qui est déjà mis en œuvre. D'autre part, vous l'avez entendu de la part de nos intervenantes précédentes, en 2023, il y a eu des examens volontaires nationaux. La plupart travaillent déjà sur des traités et des processus. Et tous ces rapports servent à euh, euh, construire, à rédiger leurs rapports sur le VNR. Donc euh, toutes ces informations peuvent vous servir. Sans plus tarder, nous allons passer, au plan national, passer du plan national et local au plan mondial, en commençant par Mabel Bianco, présidente coprésidente de FEIM, ainsi que de M Ndios et elle travaille également euh, au VNR euh, du point de vue euh, de la société civile. Nous allons entendre ma belle. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour tout le monde. Je vais saisir cette occasion pour partager avec vous la façon dont les différents mécanismes de coordination des différents groupes principaux et autres parties prenantes travaillent à la présentation et euh, à la préparation pardon, des VNR et comment nous appuyons la participation de la société civile. Comme vous le savez, les différents groupes de femmes, depuis le début, souhaitent vivement faire en sorte que les groupes de femmes participent de façon euh, complète à ces processus mais comme vous le savez ce n'est pas si simple. il faut euh, que nous nous fassions entendre auprès des autres parties prenantes et donc nous nous sommes réunis nous avons commencé à travailler en invitant tous les membres des sociétés de la société civile ainsi en tant que groupe de femmes nous aidons la société civile et nous appuyons nos pays lorsqu'ils participent aux différents processus de VNR dans leur pays. Que souhaitons-nous Nous souhaitons que les groupes et circonscriptions de femmes aient une participation réelle et efficace à ces processus, tant sur le plan national qu'au-delà. Et donc, nous souhaitons faire en sorte que les femmes soient réellement incluses dans ces différents processus et euh, qu'elles puissent, qu puissent représenter également la société civile et qu'elles soient là, présentes lorsque les différents VNR des pays seront présentés. Et donc, nous avons deux objectifs, deux buts. Premièrement, répondre à tous les défis et besoins de la société civile. Et donc, euh, la préparation à ces processus démarre en général vers le mois de décembre. Tous les membres travaillent main dans la main et euh, se réunissent avec tout le monde. Et donc, nous sommes là pour... Euh, faire du plaidoyer auprès des gouvernements, formuler nos réclamations, nos demandes, et nous faire entendre. Et bien évidemment, il faut ensuite sélectionner qui lira et présentera les différentes problématiques que nous mettrons en avant. Souvent, les personnes qui posent les questions participent en présentiel à ces différents forums. Mais il nous faut comprendre que parfois, tout le monde ne peut pas forcément participer en personne. Et donc, nous avons également la possibilité de permettre à certaines personnes euh, à se connecter depuis leur pays euh, qui ne sont pas membres des Nations Unies. Nous avons besoin... Euh, d'être là pour... Euh, il nous faut toujours avoir un plan de secours. Si jamais quelqu'un perd sa connexion, par exemple, il faut que quelqu'un puisse prendre le relais afin de ne pas perdre notre temps de parole. Et il nous faut toujours attendre jusqu'à la fin. Attendre que tous les pays et que tous les membres se soient exprimés avant de pouvoir prendre la parole. Nous sommes toujours les derniers à nous exprimer dans ce type de forum de haut niveau et parfois le temps dont nous disposons est très limité. Donc nous faisons de notre mieux pour augmenter le temps imparti aux organisations de la société civile euh, au temps de parole donc qu'on nous accorde afin de nous faire entendre davantage et donc cette année et l'année prochaine pardon, il y aura 44 pays et donc ce sera très difficile de prendre la parole. On n'a pas beaucoup de temps. Au micro dans ce type d'organisation. Il y a d'autres difficultés que nous rencontrons. Par exemple, parfois les gouvernements décident de s'exprimer par vidéo. Et la vidéo, ce n'est pas pareil on ne peut pas poser de questions à, après une intervention pré-enregistrée. Mais bon, ces États ont le droit de le faire, donc nous l'acceptons. Donc que faisons-nous Premièrement, nous commençons très tôt. Et euh, le plus tôt possible, nous avons des réunions bilatérales avec les gouvernements pour euh, savoir ce qu'ils vont dire, pour euh, essayer d'obtenir leur appui et savoir quelle est leur position par rapport aux organisations de la société civile. Il faut savoir que tous les États ne sont pas forcément très favorables à notre participation et donc il nous faut faire pression et nous, et nous faire entendre dans les capitales et parfois en dehors des capitales. Il nous faut faire pression pour être présents et pour qu'on nous entende, pour nous faire écouter. Deuxièmement, il nous faut toujours être prêts à apporter des informations, euh, des chiffres surtout. Nous le savons, les chiffres, les indicateurs numériques, les données claires nous permettent de nous faire entendre et cela euh, renforce notre position. Et donc, il nous faut poursuivre nos efforts et il nous faut exhorter les gouvernements à euh, nous écouter. Et parfois, il nous faut rappeler au gouvernement que nous n'avons pas pu mener nos analyses parce que nous avons manqué de données que les gouvernements n'ont pas voulu nous fournir. Et donc. Nous, les, nous leur disons, nous les appuyons, nous les aidons à obtenir des informations également. Et une fois que ces, euh, que ces informations sont obtenues, les gouvernements doivent les partager auprès de la société civile. Et ensuite, les OSC analysent ces données émanant des gouvernements. Et dernier point, il nous faut prendre soin de nos personnes, il nous faut protéger nos membres, nos organisations féministes. Il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas poursuivis, qu'ils ne soient pas attaqués parce qu'ils ont dit quelque chose ou parce qu'ils plaident pour leur cause. La protection de nos membres est très importante. Il est essentiel que nous comprenions que dans certains pays, il nous faut protéger nos membres et les défenseurs des droits humains et autres membres de la société civile. Donc parfois, il nous faut garantir que ces personnes soient confidentielles et protégées et peut-être que d'autres personnes moins en danger pourraient partager des informations critiques afin que ces membres d'OSC ne soient pas poursuivis ou attaqués dans leur pays respectif si c'est un pays qui n'acceptent pas euh, ces activités de plaidoyer. Donc pour l'heure, nous sommes prêts, mais on ne sait jamais. Il faut être paré à toute éventualité. Et les, soci... les OSC dans les pays doivent comprendre que parfois, on n'a pas pu prendre la parole dans ce type de forum. Parce que pour ce faire, il faut recevoir l'appui des différents États et il faut euh, également être en sécurité dans son propre pays pour pouvoir s'exprimer. Notre chef dans, la, dans le groupe de travail vous en dira davantage sur nos projets pour l'année prochaine, Delia. Est-ce que Delia est ici Oui, elle est parmi nous. Je vais euh, la nommer co-hôte pour qu'elle puisse partager son expérience. Alors, si vous devez travailler sur le rapport de Vienne pour 2024, je suis sûre que vous recevez énormément de mails. C'est véritablement une excellente opportunité pour euh, que vous vous rencontriez tous. Nelia, vous avez la parole. Oui. J'espère que vous m'entendez. Oui. Je ne suis pas euh, confirmée officiellement, mais je pense que je le serai d'une manière ou d'une autre euh, pour les processus de Vienne, oui, parce que nous avons été impliqués dans, depuis un certain temps dans ce processus. Donc, je vais. Euh commencer euh, par rapport à certains parce que si, euh, si votre euh, le VNR de votre pays euh, se produit l'année prochaine je pense qu'il vous faut vraiment comprendre que c'est vraiment un plaidoyer important. Là je vous montre une diapo que nous partageons avec les pays avec lesquels je travaille euh, davantage. Nous invitons des euh, collègues de s'engager dans le processus des VNR et de partager le fait que vous avez des multiples possibilités et opportunités de euh, faire euh, du travail de plaidoyer auprès des Nations unies aujourd'hui. Et pour vous, voici, euh, euh, là, vous pouvez également, euh, je, veux, je pourrais également partager cette diapo avec vous euh, un peu plus tard dans la boîte de dialogue et c'est, voilà le calendrier qui vous montre différentes possibilités d'engagement. D'abord, vous pouvez être en, en relation avec votre gouvernement pour savoir vérifier qui euh, va, qui travaille euh, dans, au, au niveau des VNR dans vos pays respectifs. Vous pouvez également travailler au niveau euh, d'un rapport. Euh, euh, comme euh, ça a été dit également euh, par rapport par, euh, par Mabel, et la possibilité de pouvoir au cours de la présentation officielle montrer, présenter un rapport euh, alternatif et vous pouvez également euh, parler, euh, comme je disais, donc un rapport alternatif pour une coalition et c'est exactement euh, ce que nous avons euh, eu, eu reçu comme information d'autres collègues et probablement ce que nous essayons de demander aux gens et ce même au cours de cette présentation de deux minutes et de ce rapport, des, des résultats d'un rapport alternatif, des conclusions, ou euh, poser des questions euh, à, vos, à vos gouvernements respectifs. C'est euh, sûr que cela dépend du groupe, de vos groupes nationaux euh, et de, du travail que vous menez au niveau de votre déclaration. Et si l'on s'intéresse exclusivement à ce processus, cette euh, déclaration. Présente préparation euh, de euh, déclaration, et donc ça, c'est au niveau des grands groupes et des autres parties prenantes. C'est euh, deux minutes magiques, et nous allons commencer à, euh, à, à vous inscrire en janvier, je pense. Et donc, ce avec les groupes, les grands groupes de femmes et d'autres groupes, donc nous avons nous vous inviterons à travers ce formulaire avec un formulaire à remplir et merci de le remplir au plus tôt pour euh, savoir que nous faire savoir que vous êtes cette personne qui a envie de s'engager qui va s'engager dans cette euh, déclaration et ensuite nous, euh, euh, nous irons nous ventilerons les différentes étapes et je peux vous dire euh, que au cours des, des années précédentes nous avons vu qu'il y a euh, des, au niveau des formulaires régionaux, nous recevons davantage d'engagement parce que ce sont un genre de plateforme qui sert à mobiliser dans euh, les pays euh, qui rédigent un, un VNR et euh, à travers le, f le forum régional de mars, nous commençons ensuite à organiser des réunions directes et vo nous vous. Euh, indiquons davantage comment. Euh, réaliser, rédiger euh, cette euh, déclaration. Je comprends que euh, ça, ça, ça s'applique aux grands groupes de femmes, mais il faut se souvenir qu'il nous faut également inclure et d'autres groupes marginalisés et ce dans tous les pays. Et pour un pays particulier, bien sûr, il y a des groupes spécifiques. Euh, je ne sais pas, ça peut être les peuples euh, autochtones ou autres. Et c'est la raison euh, pour laquelle il est important de garder à l'esprit que ce processus doit rester ouvert, divers et l'inclusion du plus grand nombre de parties prenantes possibles est nécessaire et que d'ici à mai, juin, nous demandons à nos collègues de euh, finaliser leur déclaration et de euh, désigner la personne qui va euh, soumettre euh, en personne cette déclaration. Parfois, il y a eu des euh, soucis pour euh, que, faire voyager des gens jusqu'à New York. Bien sûr, cela dépend de, des pays. L'année dernière, par exemple. Euh, J'ai davantage coordonné des, de la, la région européenne et bien sûr, les pays euh, occidentaux n'ont pas forcément des facilités de financement comme euh, il pourrait y avoir d'autres pays et il faut réfléchir également aux possibilités de financement et surtout réfléchir au, au euh, délai de visa, au visa euh, en, en soi. Et c'est quelque chose. Euh, Auquel il faut penser dès maintenant, en, en amont, parce que dans certains pays, on voit qu'il y a des lignes d'attente pour les demandes de visa qui sont interminables. Et si vous euh, pensez déjà euh, qu'il serait bon pour vous euh, de vous joindre à nous, je pense que c'est mon conseil euh, personnel de euh, vous informer sur les visas. Et c'est une réalité, hein c'est indéniable. Il faut demander des visas et quelle est la procédure liée. Et, et par exemple, si vous n'avez pas une lettre d'invitation en votre possession, peut-être, vous pouvez peut-être commencer déjà à prendre rendez-vous, puisque cela, parfois, euh, dure des mois. Bien. Et de même, nous sommes à toujours euh, c'est un, toujours un très grand plaisir pour nous de voir euh, nos euh, orateurs oratrices à New York de différents groupes N en général nous euh, fournissons tout le soutien euh, possible à savoir euh, trouver le bon endroit où s'asseoir ou alors euh, du soutien moral du soutien mental nous sommes là pour ça et et je pense que cette année, ce sera la même chose, que ce soit moi-même ou d'autres collègues qui seront là pour vous aider de le plus possible hein, tout au long du euh, processus euh, qui euh, vous attend de manière à pouvoir euh, prononcer euh, votre déclaration et vos observations. De plus, c'est un conseil hein. encore. Il est vrai que parfois les pays négligent le processus euh, a posteriori et c'est, je ne sais pas là où, par rapport à des documents politiques plus euh, construits ou s'il faut un rapport alternatif euh, qui également euh, puisse être utile, puisqu'il faut également avoir du suivi. Et je sais que pour certains pays, après la présentation euh, officielle, après euh, le euh, FPHN, et les gens rentrent chez eux. Et là, et, il y a des, parfois des difficultés à pouvoir intégrer euh, les conclusions dans les prochains cycles euh, avant euh, la, la, pro la prochaine période de rapport euh, de euh, VNA. Ensuite, euh, nous sommes là pour vous soutenir personnellement. J'essaye de recueillir toutes les déclarations des années précédentes et pour vous permettre également de réfléchir à ce qui avait été euh, prononcé auparavant. Quelles avaient été les questions émises par les groupes de la société civile auparavant, également pouvoir réfléchir et voir si euh, les choses ont changé ou si les questions restent euh, les mêmes. Et donc, euh, je, je ne sais pas, euh, n'hésitez pas si vous pensez que je dois ajouter quelque chose et euh, j'ai hâte euh, de vous voir bientôt, vous payez, avec nos euh, représentantes et de euh, différents euh, pays si vous êtes en cours de VNR et ce pour 2024. Merci. Beaucoup, euh, Nilia. C'était vraiment des informations euh, clés qui euh, décrivaient vraiment bien le processus. Maintenant, euh, le dernier et non des moindres, nous allons entendre Youp euh, Tennyson, qui est chef adjoint du service de la politique et de l'examen euh, intergouvernementaux au niveau du euh, DAES. ONU, donc qui va nous parler de la préparation au niveau euh, des nations unies bonjour j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez également mon euh, powerpoint merci infiniment pour votre invitation je suis ravie. j'étais un véritablement pla... un véritable plaisir d'entendre les euh, oratrices puisque cela me euh, facilite euh, les choses je peux rebondir sur ce qui, est... ce qui a été dit et comme euh, Nilia l'a dit également nous-mêmes sommes extrêmement intéressés euh, par les expériences euh, euh, Fijiennes et, et, et autres, comme nous avons pu entendre notamment au niveau du Népal également. Et euh, même si nous sommes à la fin de, cette, de ce webinaire, j'aimerais vous donner euh, une vision d'ensemble euh, depuis notre vision à nous, euh, depuis les Nations Unies. Alors, comment est-ce que je... Donnez-moi juste une petite minute, voilà. Alors, je pense que vous pouvez voir ma présentation. Voici, bien sûr, euh, les VNR sont, hein, rencontrent un, un, un bon succès, une réussite ici. Vous voyez euh, donc euh, l'état des lieux. Et je pense que nous aurons six après euh, cette année, puisque nous aurons euh, de euh, nouveaux pays. Ce que je voudrais euh, vous dire, nous sommes euh, donc euh, après sept ou huit ans de ce processus déjà, et la majorité des pays ont euh, présenté plus d'un euh, VNR déjà, et ici. Euh, vous voyez donc des pays qui euh, en présentent de manière euh, rapprochée. Et quand on sollicite, euh, nous avons sollicité les groupes pour 2023, nous avons, euh, nous nous sommes en fait davantage intéressés aux pays qui n'en avaient présenté qu'un. Alors, je ne sais pas du tout comment passer à la diapo suivante. Alors, est-ce que vous voyez ma diapo suivante Oui, voilà, elle arrive. Donc, ici, vous voyez euh, nos euh, présentations euh, VNR euh, qui sont au nombre de quarante cas pour cette année, et vous voyez la ventilation par région et le nombre de fois où euh, ces pays ont présenté euh, un euh, VNR. Alors, il y a deux ou trois choses que j'aimerais euh, souligner. Nous avons beaucoup de pays qui viennent, qui sortent d'un conflit. Bien sûr, le, euh, le Sud-Soudan, la Palestine, la Libye. Il y en a quelques autres également. Euh, Israël également, mais qui euh, s'est euh, retiré il y a quelques semaines. Et donc, euh, l'Azerbaïdjan. Et c'est vraiment un aspect nouveau. Je pense qu'il y a un impact sur la participation euh, des, o des OSC également euh, au niveau mondial. Nous avons également 17 pays euh, africains qui ont présenté pour la deuxième fois un VNR et donc euh, une troisième fois également et J'aimerais souligner également le euh, fait qu'il y a des présentations également des pays insulaires du Pacifique et ce, euh, pour la deuxième fois, comme on, vous pouvez le voir ici ensuite. Il y a très peu de pays euh, d'Europe de l'Est et au niveau de l'Union européenne. Nous n'avons que l'Autriche et l'Espagne, comme vous pouvez le voir. Et enfin, il y a également une bonne représentation des, euh, des Amériques, et notamment euh, l'Argentine et le Mexique. Alors, qu'est-ce que euh, nous euh, faisons exactement nous, euh, nous sommes là pour soutenir les pays. Il y a en général trois ateliers mondiaux et c'est un, un, un lieu sûr au niveau des points focaux pour les gouvernements. Il y a également des nominations à partir de pays qui ne sont pas seulement des pays. Et également des euh, points focaux pour euh, la région. Nous n'en avons, avons eu que 10 à peu près. Et donc ce n'est pas forcément euh, nécessaire. Nous avons également prévu un atelier pour euh, travailler sur ces différents points. Nous aurons trois ateliers mondiaux et un échange de connaissances. Nous avons également rédigé une synthèse avec les messages principaux émanant de ces rapports VNR, des lignes directrices pour préparer ces VNR chaque année. Et. Euh... Donc, euh, nous euh, suivons de près les, les dernières étapes des processus de rédaction des rapports du VNR. Je vous parlais de ces lignes directrices parce que le paragraphe 38 de la déclaration politique qui a été mentionnée parle de cela. C'est très intéressant. Et donc, en plus de cette approche que je, vous viens, que je viens de vous présenter, c'est important dans l'ensemble du processus euh, du Forum politique de haut niveau. Deux co-modérateurs ont été désignés par le président de l'Assemblée générale. Il s'agit de deux ambassadeurs. C'est important de le dire, ils seront importants à partir du printemps de l'année prochaine, mais pour des raisons pratiques, il est important de comprendre que cela n'aura pas d'incidence sur les coprésidents actuels. Et donc, cela devrait avoir un impact dans la présentation de 2024. Vous avez parlé des plans d'action nationaux. Il s'agit de quelque chose que nous recommandons toujours euh, aux pays euh, qui euh, procèdent à des VNR. Il faut que cela apparaisse dans les plans d'action nationaux. Et donc, voilà euh, ce que je souhaitais vous présenter par rapport euh, à euh, ce forum qui aura lieu en juillet. Donc, comme je le disais, les directives ont été mises à jour euh, par rapport à la structure demandée dans le cadre de vos rapports VNR. L'objectif, bien évidemment, est de ne pas faire de laisser pour compte. C'est essentiel, cela apparaît toujours dans le cadre des ODD. Et donc, c'est important de le garder à l'esprit pour les pays de 2024. Et donc certains pays parlent de ce qui est attendu dans le cadre du HLPR, mais il est important de savoir que les pays qui se présentent pour la deuxième ou la troisième fois doivent mettre en œuvre les changements qui leur ont été réclamés. Et c'est très intéressant de répéter les mêmes éléments de base à ces États. C'est toujours utile de, de répéter les mêmes choses parce que petit à petit, ils les mettent en œuvre. Et certains membres du gouvernement ne sont pas forcément là d'une année à l'autre. Les gouvernements aussi se renouvellent. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Mes excuses à ah, euh, tout le monde nous a eu euh, quelques soucis techniques avec l'interprétation sur la plateforme, qui est normalement résolue. Dites-nous si vous n'entendez pas l'interprétation ou si vous rencontrez des difficultés. Il nous reste environ 10 minutes. Nous avons reçu quelques questions dans la boîte de discussion. Est-ce que quelqu'un souhaite lever la main et s'exprimer suite à ces présentations Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à formuler L'une des questions posées... Comment est-ce que les organisations de la société civile peuvent participer davantage à ces différents groupes qui travaillent sur les processus VNR Peut-être que nous pourrions partager notre présentation PowerPoint avec les différents intervenants. Et il y a là toutes les informations concernant la façon dont on peut participer à ces groupes. Donc euh, au, au groupe WMG la, pour les femmes, vous pouvez euh, vous inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la présentation PowerPoint et ainsi vous pourrez participer plus amplement au processus. Pour ce qui est de l'aspect régional du processus, par exemple ECLAG, vous pouvez le faire de façon plus informelle. Nous pouvons vous mettre en contact avec nos différentes euh, organisations partenaires euh, qui vous aideront dans le cadre de ce processus. Pour ce qui est du plan euh, national, nous verrons comment nous y prendre et nous vous mettrons en contact avec les euh, parties prenantes pertinentes. Il y a également une plateforme d'apprentissage en ligne pour les membres du WMG, tant concernant les processus euh, des ODD que euh, concernant Women's Major Group, et également pour les processus VNR. Je vois une main levée. Pagana. Fergana, merci beaucoup. Je suis Fergana, je viens de Masala une organisation qui travaille sur euh, l'exploitation familiale. Je souhaitais participer au processus VNR davantage encore parce que nous avons beaucoup euh, de euh, plaidoyers, nous avons fait une, un examen euh, pour voir comment participer davantage au processus VNR. Donc pour être sûr d'avoir bien compris ces différentes interventions. Il n'y a pas de processus indépendant pour que les OSC participent formellement à ces forums. Ils sont obligés de participer avec les pays pour ensuite pouvoir participer au Forum des Nations Unies. Est-ce que j'ai bien compris Ou est-ce que euh, ce processus se fait à part... Par exemple, il faut participer aux différents comités, et ensuite euh, euh, se connecter par le, euh, s'inscrire par le biais du site internet. Donc, j'aimerais savoir, euh, du point de vue technique, comment on participe, comment fonctionne ce euh, processus VNR. Et, et voilà, y a-t-il un, un processus officiel indépendant pour participer à ce forum politique de haut niveau? Merci. Alors, je vais demander à Nelia de répondre. Tout d'abord. En ce qui concerne ces rapports partagés, malheureusement, comme vous le savez, nous n'avons pas de procédure officielle. Et je ne sais pas si nous pourrons en parler pendant la rédaction du rapport HLPF, donc du euh, forum de haut niveau. Cela étant dit, je sais que euh, nous avons travaillé avec différents pays. J'encourage toujours vivement les groupes de la société civile à participer et à préparer ces rapports parce que toutes les contributions sont utiles. C'est un outil de plaidoyer très utile qui nous sert beaucoup dans le cadre d'événements parallèles, dans le cadre des forums régionaux et dans d'autres instances internationales. Vous pouvez toujours... Utilisez cela dans vos processus nationaux et internes. Si vous avez la possibilité de faire un rapport de la sorte, faites-le parce que euh, ça sert toujours. Et en ce qui concerne les processus d'engagement, nous avons une possibilité très limitée d'intervenir pendant les différentes présentations, comme on l'a déjà dit auparavant. Et c'est pourquoi il nous faut être très organisés, très bien préparés pour participer à ces processus. Euh, c'est en général le Women Major Group qui s'en occupe, ainsi que les autres parties prenantes. Et c'est là qu'il vous faut savoir. Est-ce que vous souhaitez participer à euh, ces interventions Est-ce que vous souhaitez vous exprimer Est-ce que vous avez des. Euh... Des questions à inclure dans ces interventions, des points importants. Eh bien, c'est l'endroit idéal, c'est le moment de participer, de vous engager. Ce processus, ces efforts euh, commenceront en janvier. Nous commencerons à, à prendre compte des, des personnes qui souhaitent s'engager qui souhaitent s'engager dans le processus. C'est le canal officiel pour participer. Donc, sur la plateforme officielle de Major Group. Et en tant que représentante de la société civile, cela étant dit, je vous dirais qu'il s'agit qu là d'un moment de plaidoyer. Il y a beaucoup d'autres plateformes où vous pouvez vous exprimer par rapport au Forum politique de haut niveau. Nous organisons différents événements parallèles, officiels également. Et donc, il y a toujours une plus grande attention portée euh, sur les pays euh, opérant des examens euh, volontaires nationaux. L'année prochaine, l'accent sera mis sur l'ODD 1, pauvreté zéro, euh, l'objectif fin zéro, euh, l'ODD 16 également pour la paix, la transparence euh, au sein des institutions. D'ailleurs, je pense que l'ODD 16 est très important dans le cadre de nos efforts en tant qu'organisation qu de la société civile et l'ODD 17 également sera abordé les partenariats. Donc, euh, cela, euh, j'espère que cela vous semble utile dans vos travaux préparatoires. Et euh, Jup a demandé la parole. Merci. Je suis tout d'accord avec tout ce que Nelia vient de dire en ce qui concerne les Shadow report, donc ces rapports. Il ne s'agit pas d'un mécanisme officiel. Cela étant dit, ne, euh, vous euh, n'en restez pas là. Il y a beaucoup d'autres plateformes et de sites internet où vous pouvez poster, publier ces rapports, poster des rapports de reddition de compte. C'est toujours important. Il y a un ODD reddition de compte. Il y a beaucoup de plateformes vraiment. Où vous pouvez partager toutes ces informations. C'est très important de le faire, même si, bien évidemment, à l'heure actuelle, ce n'est pas au même niveau que euh, la plateforme officielle. Peut-être qu'au cours des prochaines années, nous y remédierons et nous vous aiderons à y parvenir. Cela pourrait être un gros effort à déployer. Peut-être que tous les États membres non, ne s'en réjouiront pas, mais c'est quelque chose à faire. C'est une bonne motivation tant d'efforts sont déployés dans ces VNR dans ces examens volontaires nationaux y compris par les états membres il faut que cela serve ces rapports resteront et à disposition ils seront utilisés au fil des années en attendant les présentations suivantes donc voilà ce que j'en pensais je vous encourage vivement à euh, rédiger ces rapports et à les publier, même si il, cela se fait hors des plateformes officielles. Nelia, allez-y. Oui, je voulais répondre à ce que Youp a dit. J'ai envoyé un lien dans la boîte de discussion mgos.org. Il y a les différents rapports parallèles euh, sur euh, ce site. C'est bien que vous l'ayez dit, vous avez accès à ces différents rapports non officiels. Nous tentons par ce biais de collecter tous les rapports existants. Donc si vous souhaitez rédiger ces rapports, c'est pour vous la possibilité de, euh, de les partager ici. Vous avez euh, les rapports alternatifs sur le groupe Major Group également. Et donc peut-être que les Nations unies un jour partageront cela également. Donc euh, euh, cela est très encourageant, c'est une belle source de motivation et il ne faut pas euh, nous arrêter même si on a peur que. Euh, en espérant que les Nations unies le partagent un jour. Merci beaucoup. C'est l'un des points de euh, plaidoyer les plus importants depuis le dernier euh, rapport et depuis le dernier euh, dernière examen volontaire national. Nous le savons, beaucoup d'efforts sont déployés dans ces différents rapports alternatifs. Ils deviennent ensuite très importants. Ce sont des informations précieuses pour les examens futurs. Et il serait bien de les voir reconnus et appréciés à leur juste valeur. Y a-t-il d'autres questions Nous arrivons à la fin de notre session, mais peut-être que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer. Dans le cas contraire, non? merci pour votre intérêt dans tout euh, ce processus. Merci à toutes nos oratrices et orateurs. C'était vraiment une vision à 360 degrés sur les VNR. Nous, en tant que euh, grand groupe des femmes, nous allons euh, vous continuer à vous soutenir dans ces processus. N'hésitez pas à vous adresser à nous et nous partagerons également cet enregistrement euh, sur notre chaîne YouTube, peut-être en français et même en espagnol si nous arrivons à gérer les aspects techniques. Merci infiniment également à nos interprètes euh, qui ont été euh, très euh, patientes dans l'interprétation du jargon nusien. Merci infiniment. Bonne journée à tous.